Salut à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Darker's Dungeon. Et on se retrouve après quelques combats pour pouvoir avoir notre petite moyenne dans la tanière, parce que j'aimerais faire la tanière et en même temps la moyenne, histoire de ne pas refaire un monde en plus juste pour avoir une moyenne. Et il se trouve que, en attendant, j'ai eu deux petits bonhommes en plus, donc Kiba. Kiba, vous savez pourquoi, voilà, Naruto, hein, écoutez, l'enfance qui parle, le petit chien qui est là, bon, Kiba il a un peu vieilli, il a une petite barbe, mais il n'en reste pas moins puissant. Et enfin Quasimodo. Alors pourquoi Quasimodo? Non pas parce que c'est une bestiole, même si ça pourrait être le cas, hein, mais parce que, regardez, il se transforme en loup-garou, et oui, et quel est le rapport entre le loup-garou et Quasimodo? Eh bien... Oh Lucifer, oh laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans la chatte d'Esmeralda. Les cheveux, pardon. Oui. Enfin bref, vous avez compris, voilà, c'est Garou l'intermittent. Et donc, je vais appeler Quasimodo, pour le fun, voilà. Allez, et on va les utiliser pour un peu voir... de quoi ils sont capables. Donc lui, on va le mettre en première position, je pense. Même si en soi, il gère un peu partout. Alors, étourdissement, transformation dans les trois premiers. Donc ça, c'est la transformation pour se transformer en loup, hein. Donc comme vous pouvez le voir, une fois transformé en bête, plus 20 résistance aux infections, plus 10% de dégâts. Mais les autres héros... acquiert plus 8 en stress. Donc voilà. Et après, ça soigne 5 PV si on redevient humain. Et ça soigne 1 de stress à tous les autres héros. Mais bon, 1 contre 8, voilà. Hein, vous avez compris le deal. Ensuite, on a quoi? Build bestial. Build bestial, ça se met dans les deux. Donc déjà, on a ces deux-là qui se mettent plutôt en deuxième position. Et build bestial, c'est infection pendant deux points pendant 3 tours. Ouais, c'est plutôt pas mal ça. Ça va un peu partout. Deuxième position. Ah, il est meilleur en deuxième position quand même. On va le mettre en deuxième position. On va mettre un petit tank. Philippe. Non. Ou Kratas. Non plus. Karl, dis-moi Karl. Tu étais là au... précédent épisode, est-ce que tu veux rester? Je mettrais bien Karl quand même. Allez, on va mettre Karl. On va mettre ensuite Kiba pour l'essayer, hein, évidemment. Et un petit heal, on va mettre petit heal. Bon, Kev Adams, viens avec moi. Voilà, il pourra pas faire une attaque, c'est le poignard, mais en soi, on s'en fout un peu, parce que ce qui nous intéresse le plus, c'est reconstruction de la destinée et artillerie abyssale. Nous allons partir donc pour la tanière avec les petits cochons, bois brûlé et camp. Voilà, cette quête inclut un camp, et camper requiert du bois. Le bois est automatiquement fourni pour les quêtes appropriées. Le camp donne une chance au héros de récupérer pendant un donjon si tu es blessé ou stressé, ou que tu ne veux camper. Fais un clic droit sur le bois dans ton inventaire. Donc voilà, vous avez compris le deal. En gros, les salles sont plus grandes, mais nous avons la possibilité de camper et donc de nous soigner, etc. Alors, on va prendre, cela dit, voilà, donc ça c'est des biscuits pour le chien, c'est quand vous avez le maître chien, vous avez automatiquement deux biscuits qui augmentent fortement la vigueur du molosse. On va prendre de la nourriture, comme on est dans une moyenne, on va en prendre beaucoup. En soi, on peut tout prendre, allez, on prend tout. Ça va nous être très utile, on va pas prendre de pelles, je pense pas qu'il y en ait besoin. On va prendre deux bandages par contre, deux herbes, une clé... deux eaux bénites. Et en torche, nous allons prendre le paquet. Allez, on dépense tout, de toute façon. Ça va être très rentable. C'est parti. Les porcs résistent à la maladie grâce à leur façon de vivre mal propre. Les porcs, oui. Allez, c'est parti.
Alors, oh, bah, déjà, on peut savoir par où on va partir. Bon, en soi, c'est plus logique de partir par là. Mais oui, bah oui. On va même partir par là, puisque de toute façon, ici, on a un piège qu'on va pouvoir désamorcer. Ici, il n'y a même pas de combat, donc c'est nickel. Je vous rappelle que la quête est de terminer 100% des combats dans les pièces. Donc, bon, de toute façon, on n'était même pas obligé d'aller par là. Mais... Ah ouais, on n'était pas obligé d'aller par là. On va quand même y aller. Alors, 60%, ouais, non. 50%, 80%. Donc, c'est le maître chien qui va s'en débarrasser. Et... D'accord. Eh, mais écoute, moi, je lui ai dit de faire attention, elle n'a pas voulu. Alors, nous avons un sac. Un sac, qu'est-ce qu'il y a dans le sac? 100 pièces d'or! Wouhou! On est très heureux. Alors, en soi, ici, si on va là, on aura accès à un combat. Est-ce que c'est une bonne idée? Oui. Allez! De toute façon, bon, comme vous pouvez le voir, la salle est un poil plus grande. Elle n'est pas si grande que ça. Hein. Pour une moyenne, franchement, j'en ai vu des plus grandes. Donc, le sac, c'est plus grand. Ok, n'importe quoi, le sac, c'est plus grand. Non, on a une petite pièce. Et là, il y a un combat. Hop, on va allumer la lumière. Si je veux pas me combattre dans le noir. Et des petites araignées. Eh oui, et alors, les petites araignées. Vas-y, mon chien. Qu'est-ce qu'il fait? Protège l'allié. 15% de 15 d'esquive. Pas mal. Ah, oh, 5 sur soi-même. 5 de heal. Soin du stress, ça c'est pas mal aussi. Et il a que ça comme attaque, donc on va faire que ça. Ben, vas-y, attaque. Hein. Ah, esquive, très bien. Un chien qui rate sa cible. Bon, eh bien en soi ici j'ai pas d'autre choix que de faire ça. 6, oh bien, je lui laisse un PV, il manquait plus que ça. On va les tuer normalement. Ah, oh, 6, comme par hasard. Putain, oh, par contre là là ça m'énerve. Là ça m'énerve, donc là ça attaque les deux du milieu. Infection. Je vais peut-être pouvoir tuer lui. Allez. Voilà, bon au moins il y en a un qui est mort. C'est déjà ça. Et lui, si je lui fais 6, il mourra au prochain tour. Ça, c'est bien. Ça, c'est un bon petit chien. Oh oui. C'est un mauvais bouclier, ça. Voilà, lui, il est mort et je vais pouvoir me débarrasser des deux autres tranquillement. Soin du stress. Ok. Bah, écoute, ça fait quoi? Étourdissement, c'est tout? T'as pas une attaque? Non, t'as pas d'attaque, toi. Bah, soigne ton stress. Tu ne sers à rien. Pour l'instant, je vais pas le transformer en monstre, j'ai pas trop envie d'augmenter mon stress pour rien. Toi non plus, tu ne sers à rien. Bah écoute, soigne le chien. Voilà, en espérant, c'est bon. Il ne l'a pas fait saigner. On va attaquer un des deux, c'est lequel le plus rapide. Pff, allez, on va tuer lui. Il est mort. Et merde! Voilà. J'espérais qu'il ne puisse pas m'attaquer, mais bon, c'est tant pis. C'est tant pis, c'est tant pis. Et voilà, il est mort. 15, tu pouvais pas faire ça dès la première attaque, non? Ce rang ne sera pas rompu. Et nous avons un petit peu de gold, c'est pas mal. Donc là, la prochaine, ça sera... Prochaine pièce, une petite bataille. Ici, on avance un petit peu. Allez, désamorce. Mais 60%! 60%! Bon, moi, il saigne pas, c'est l'avantage. Parce que saignement plus infection, ça fait un peu mal, quand même. Donc là-bas, on a un petit coffre. Ah non, c'est des livres. C'est des livres, je vais pas les prendre. Les livres, c'est pas bon. Et nous avons un petit combat ici dans une salle obscure avec des signes japonais. À comprendre. Alors, on va peut-être étourdir un. On va étourdir lui. Lui, je l'aime pas trop. Il est gros, c'est un gros cochon. Mais. Et le cochon, tu sais c'est quoi un cochon qui vole? Hein? Un aéroport. Voilà, je l'ai mis mal avec ma blague. Et du coup, on va pouvoir continuer. Regardez comme je l'ai mis mal. Il est assommé. T'sais, ma blague était tellement pourrie qu'il est assommé. Alors. Ouais. Est-ce que ça vaut le coup de se transformer? Allez, ça vaut le coup de se transformer. On va se transformer. Voilà, le petit loup. Garou! Tous ceux qui n'ont jamais été seuls! Au moins une! Alors, griffe. Je regarde en même temps parce que je connais pas les attaques qu'il a. Repousse de 2, moins 10 en esquive, c'est moins 2 en vitesse. Pas mal ça. Mais là, en soi, griffe, ça peut être plutôt pas mal. Voilà, ça tue l'autre. En même temps, ça lui redonne
du stress, enfin ça lui enlève du stress, plutôt pas mal. Et mais ça fait saignement, j'avais même pas vu. On va essayer de le tuer lui. 5 plus saignement de 1. C'est tout, hein, qui pouvait faire un peu plus quand même. Voilà, on va les attaquer comme ça, voilà. Nickel, on va les affaiblir un peu. J'ai pas besoin de me soigner pour l'instant. Ouais, tabruche, tabruche. Je sais pas quelle langue il parle, mais bon, on va faire avec. Hein. Est-ce que je... Ah ouais, je peux pas attaquer plus loin. Hein. Là, je peux me transformer en humain encore. Et ça, c'est quoi? Rage. Je peux attaquer lui. Allez, attaque lui. Ah, 9, voilà, t'es mort. Du coup, lui, il va pas mourir. On va quand même attaquer... Oh, bah voilà, lui, il est mort. Ok, très bien. Et merde, il m'attaque. Coupe bouchère. Ah! Saleté de porc! C'est moi qui vais te boucher, hein. Tiens. Pouf, dans ta gueule. Maintenant qu'on l'a assommé, on va se faire un bon petit rôti de porc. Oh putain, il m'a fait peur. Elle déconne pas comme ça. Hey, Jean. Qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu ça. Docteur La Peste. J'ai pas de Docteur La Peste. 40% de résistance aux maladies. Et ça, très rare. Plus 15 PV max. Plus 8 esquives. Moins 2 précisions. Mais tu rigoles ou quoi? Bien sûr. Ouais, voilà. Hop, hop. Et étourdissement, et je crois que lui, il a d'étourdissement, donc on va lui donner à lui. Hop là, voilà. Alors, bon, pour l'instant, on va pas utiliser le camp, il n'y a pas vraiment besoin, on l'utilisera peut-être un peu plus tard. Sûrement même, on va devoir l'utiliser, parce que sinon, on va mourir. Et je ne veux pas mourir. J'ai besoin d'un bandage, tu n'en auras pas! Tu n'en auras pas. Voilà. Alors, un coffre vide. Il est déçu, hein, vous avez vu sa tête. Et c'est toujours la... C'est quoi ces cochons? Regardez, ils ont des masques. On dirait des cochons de Mad Max. Transforme-toi, allez, allez. Ah, par contre, le chien... Oh, j'avais pas vu, mais le maître chien, au niveau stress, il est chaud bouillant. Hein. Du coup, attaque les deux. Et merde. Ça fait pas très mal, ça. Hein. Soigne le stress. Soigne le stress. Que de 3, c'est pas beaucoup. Hein. C'est dommage. On va essayer de stun... Non, on va essayer de le tuer. 5, 4, 8. Ouais, voilà. Je préfère assurer une mort au moins. Ça sera déjà ça. Oh, critique de 8. Il a que 12 points de vie. Ça lui fait mal. Jugement dernier. Non. Ah, il m'a vomi dessus, mais t'es vraiment un porc. Oui, c'est exact. Mais arrête de me vomir dessus, le mec, il a même pas fini de vomir la première gorgée que... Ça y est, il vomit la deuxième déjà. Allez, toi t'es... Ah, plus qu'un point de vie, t'es sérieux. Accusation. Non, c'est pas moi, j'avoue. J'avoue. J'étais au cinéma, s'il vous plaît. Le cran de Kiba est testé, je deviens irrationnel. C'est pas bon ça, par contre. C'est pas bon du coup, du tout, du tout, du tout, du tout. Mais si tu ressens, je n'ai pas lu la suite. Du coup, tu vas essayer de tuer... Je peux pas attaquer, ouais, non. Essaye de le tuer, lui, quand même. Non, essaye de le tuer, ça veut dire qu'au moins tu lui fais quelques dégâts, parce que... Est-ce que nous combattons encore? Je suis aveugle. Mon chien, dis-moi. Ok, très bien. Du coup, bon, vas-y, tue-le. Fuck! Eh, j'ai vraiment pas de chance, hein. Je vais protège l'allié. Non. Je peux soigner. Je peux me soigner, ouais. Mais non, on va tuer lui. Il m'a l'air relou, quand même. Enfin, il est très relou. Donc, lui, il est mort. Accroche ou ça fait mal. Raté! J'ai les couilles embêtantes, mon gars. Je sens de délicieuses eaux près de cet endroit. Et du coup, tu fuis? J'ai pas compris le délire. Allez, tue-moi lui, là. Mais non, mais... Ah, le chien, il s'est fait détourner par les eaux. Bah, le chien, il aime pas le cochon. Hein.
Du coup, je peux attaquer. Est-ce que je... Maintenant, je vais attaquer les deux. Là, il y en a un qui va mourir, comme ça, c'est bon. Et toi, t'es foutu. Voilà, ça y est. On n'oublie pas de déplacer le petit chien. Ouais. Ah, quand il se transforme, même en fin du combat, on regagne du stress. C'est bon à savoir, ça. Donc, on va les redéplacer, eux. Mais bon, après, eux... Enfin, lui, il est déjà bien niqué au niveau du stress. Et comme c'est une moyenne, c'est quand même relativement long. Donc, heureusement, on va pouvoir se soigner. Vous allez voir ça après. Donc là, on fait demi-tour, tranquille. Une pagaille ou deux. Je m'en fous. Et donc là, il va y avoir un combat. Et après ce combat, on ira au camp. Un petit coffre. Une carte. Ah, on va pouvoir voir ce qui se cache derrière tout ça. Donc là, il n'y a pas de combat, mais il y a un combat entre les pièces. Et là, il y a un combat avec un trésor. Bon, pas mal. Ici, il y a un petit piège. Heureusement qu'on l'a découvert parce que sinon, j'allais me le manger. Allez, le rate pas. Bien. Et du coup, ça lui enlève un peu de stress. C'est cool. On va rallumer la lumière, par contre. Ce n'est pas la carte que j'ai choisie, tricheur. Mais tu pètes un câble, mon gars. Il n'y a pas de carte. La carte, on l'a trouvée dans le coffre. C'est pas toi qui l'as choisie. N'importe quoi. C'est des araignées. On va les tuer assez facilement. Je pense que j'ai pas besoin d'utiliser d'astuces. Ouais, soigne-toi. Hop. Soigne ton stress aussi. Je vais pas le transformer maintenant, sinon ça va être... je vais gagner du stress de tout le monde et ça va pas être bon. Petite morsure. Et merde. Alors, mon maître chien, je l'ai eu il y a pas longtemps, il est déjà en train de prendre super cher. Hein. Mais bien sûr, Captain, je laverai votre cheval. Votre cheval, on dit. Hein. Un cheval, des chevals. Alors... Vas-y, soigne-le. Ah, 13, ça fait du bien. Saignement. Bon, c'est moins cool, mais au moins, il y a eu un bon saignement. Voilà, lui, il est étourdi. Ma peau brûle. Et toi, à part soigner, tu peux rien faire. Bah, soigne-lui. 11. Eh, franchement, Kev Adams, t'es utile. Hein. T'es pas mal utile. Du coup... Essaye de tuer lui, s'il te plaît. Mais non, mais... Oh, mais il me sert à rien. Oh, Garou. Putain, mais Quasimodo, mon Dieu. Ah, je suis bien dressé. Non, c'est ton chien qui est bien dressé. Toi, tu n'es pas bien dressé. Tu n'es pas censé être dressé. Tu es censé dresser ton chien. Tu le... Eh, allez, moi, j'arrête. Paulson a raté un éléphant dans un couloir, lui aussi. Il est mort lors de sa dernière semaine dans l'unité. Et c'est le but. Pff, n'importe quoi. Quoi? Pourquoi il dit ça? Mais n'importe quoi. Bon, par contre, c'est relativement long, là. Ça y est Allez, soigne-le, encore une fois. Que 3, c'est loin des 11, hein, quand même. Mais bon, déjà, c'est pas très grave. Allez, lui, il est mort. Ma peau brûle. Et toi, tu vas me le tuer? Oui, enfin. Eh ben, putain. Eh ben, alors, Garou. Ça y est, tu t'es mis à attaquer. Alors ça, c'est pas très bien. Ça, si je me souviens bien, ça donne des malus presque à tous les coups. Donc, on va éviter. Alors, allez, on va utiliser le camp. On va vous montrer ce que ça fait. Les avantages du camp. Le camp est divisé en deux parties, la phase de repas et la phase de capacité. Durant la phase de repas, tu choisis combien ils vont manger, ce qui influe sur leur récupération. Assure-toi d'avoir assez de nourriture. La phase de capacité te permet de dépenser tes points de repos dans différentes capacités de récupération des héros. Et donc c'est pour ça que j'ai pris beaucoup de nourriture, hein. C'est parce que ici je vais en utiliser 8 d'un coup. Pouf, dans ta gueule. Voilà, parce que ça va leur faire regagner du... Ça va leur faire enlever du stress, regagner des vies et tout ça. Ensuite, j'ai 12 points de répit que je peux utiliser en technique. Donc, comme ici, ça utilise 4, par exemple. 50% de probabilité de repérage. On s'en fout, vu qu'on a une carte. Vieille canine. Moins 20% de probabilité de groupe surpris. Plus 20% de probabilité de monstre surpris. Ça, c'est pas mal. Un compagnon, soins 15%, supprime le saignement. Ouais.
Donc on peut même pas se le faire sur soi-même, donc de toute façon. Par contre, là, on peut le faire sur le chien. Je sais pas si je vais le faire. Je vais d'abord regarder le reste. Abandonne tout espoir. Réduit le stress de 25. 50% de probabilité d'accroître le stress de 10 ou de 5 sur tout le monde. Alors toi, t'es celui qui a le moins de stress, donc on va faire... On va pas du tout le faire. Plus 4 de vitesse, accroît le stress de 20, mais réduit le stress de 20 de tout le monde. Réduit le stress de 15 d'un compagnon. Alors on va le faire sur lui, parce que j'ai pas envie qu'il devienne irrationnel ou encore une connerie comme ça. Et toi, du coup, tu peux faire plus 5 d'esquive pendant 4 combats. Ou plus 10 de dégâts pendant 4 combats, 75% de... Ah, ça c'est pas mal. On va le faire. Voilà, sur tout le monde, toute une vie passée à s'entraîner, laisse malgré tout de très nombreuses choses à apprendre. Tu es un homme sage, Karl. Et du coup, je voulais faire aussi ça. Voilà. Ruff, ruff, grrr. Ok, il me reste deux, donc je peux faire soit un pansement quelque part, soit rien du tout, soit un pansement. Voilà. Donc le pansement, on va faire soin de 15%, supprime le saignement, on va le faire sur lui. Comme ça, il sera soigné tranquillement. Prends ceci, ça marche du tonnerre. Et c'est terminé, nous avons fini notre repos. Il reste plein de sang à répandre aujourd'hui. C'est parti mon kiki. Voilà, les expressions à la con. Nous les avons tous fait. Nous avons utilisé notre dernière bûche. Voilà où nous en sommes. Cela me rappelle le temps passé dans la futaille sans toutes les araignées. Bah, lui, il est vraiment vénère, donc vous voyez le message en rouge. Réveille-toi, ils sont près de nous. Oh non ! Et nous avons été pris en embuscade, donc entièrement dans le noir. Tout le monde se déplace, rien à foutre, allez. Heureusement, je peux quand même attaquer directement. Transformation, on va utiliser les grands moyens, parce que sinon... Sinon, on est dans la merde. On est dans la merde, essaye de tuer... Ah, 8, il a 9 points de vie. Évidemment, sinon c'est pas drôle, hein, comme d'hab. Et il esquive quand même. Pas mal, vas-y, non. Fais-moi saigner lui, voilà. On va essayer de les tuer assez rapidement. Lui, en soi, il va mourir au prochain tour, hein. Quelle terrible force! Ah, je suis stun, c'est pas bon, ça. Lui, il me vomit dessus, hein, comme d'hab. Avec un crâne sur le ventre, c'est dégueulasse. Mais bien sûr, capitaine, je laverai votre cheval. Mais je suis un loup, pas un cheval. Et toi, tu ne peux pas attaquer. Par contre, tu peux étourdir. Alors, tu vas m'étourdir lui, s'il te plaît. Voilà. Et en même temps, tu passes devant, ce qui est une bonne chose. Toi, du coup, tu vas... Bah, attaque lui. Oh non, manqué, Shudeg. J'espère que ça va être au loup-garou. Ah! Ça va être... Non, pas Akiba. J'espère que ça va être à Quasimodo d'attaquer. Quasimodo, s'il te plaît. Oui, bien. Comme ça, je tue le petit ver. Et j'ai pas tué le cochon, c'est dommage. Combien? Un. Et non. Vite, décris l'incident que je puisse appréhender le coupable. Non, mais il n'y aura pas de coupable. Je vous rappelle que s'il arrive à 200 de stress, il meurt. Hein. Alors, il meurt d'une crise cardiaque, donc on va éviter. Ce serait cool. Assomme-le, tiens. Ouais. En même temps, tu passes tout devant, ce qui est une bonne chose. Et on va essayer de voir si je peux pas soigner son stress. Et je crois pas, hein. je ne crois pas. Donc on va l'attaquer. Hop. Là, avec lui, je peux soigner un peu le stress. Alors, c'est ce qu'on va faire. Voilà, c'est mieux que rien. Hein. Et toi, tue-moi. Tue-le-moi, s'il te plaît. Ouais, voilà. Il est mort. On va se retransformer en humain, ce qui va me redonner un peu, bon, un seul de stress, mais c'est pas grand-chose. Par contre, la lumière se remet toute seule, c'est ok, très bien. Du coup, on va éviter ces salles-là, hein. On va aller directement là et là, finir les quêtes. Comme ça, on va pouvoir rentrer à la maison, tant pis pour les deux salles. Je pense qu'on est déjà assez gagnant. J'ai pas envie que mon maître chien meure. Tap tap, qu'avons-nous là? Ah! Fuck! Fuck. On va faire demi-tour. Non, parce que là, je... Eh ouais, le problème... Ah, merde. Oh, merde, j'avais pas fait gaffe. Bah, oui, mais je crois que ça part en couille, là.
Je crains qu'il soit inévitable que ça me consume de l'intérieur. Bon, allez, on va tenter le coup. Ça va faire mal, ça va faire très mal, j'ai pas pris de pelle. Aïe, 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 aïe. Il est à 161, allez, on y va. On va rallumer la lumière bien comme il faut. Et donc là, il y a bien un combat. Ils sont surpris, ce qui est une bonne chose. Et par contre, ils sont pas dans l'ordre. J'avais pas fait gaffe, mais c'est pas très grave. Attaque-moi celui-là, là, le tambour de guerre. Je l'aime pas trop. Toi, tu vas m'assommer où en soit. Tu peux peut-être le tuer. Fuck! 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 Merde. Ah, lui, il passe très bien. Il a décidé d'arrêter de se battre. Lui, il esquive et lui, il ne reste qu'un point de vie. Bah oui, allez-y, c'est parti, c'est la fête. Cette expédition est vouée à l'échec. Non, ils sont tous en état de stress, là. L'autre, il me vomit dessus, allez. Ça part tellement en couille. Lui, donc, dans, allez, 10 de stress et il est parti, il part en couille aussi. On a compris, tu vas nettoyer le cheval. Calme-toi. Oh mon Dieu, ce jeu. Lâchez mon maître chien, tambour de ruine. Oh là là, ça y est, ça repart. Le cran de Kev Adam s'est mis à l'épreuve, paranoïaque. Très bien, ça c'est bien, je dois toujours rester sur mes gardes, sinon il prendra le contrôle. Mais qui? L'abomination. Moi, je prendrai le contrôle. Fais ça, ouais. Comme ça, les deux, ils sont infectés. Lui, il va mourir et lui, il sera infecté. Ce sera déjà une bonne chose. En soi... Ouais. Toi, tu vas me tuer... Il n'y a pas un... Putain, j'ai pas d'attaque à... Essaye de me tuer, lui. Oh, putain... Il va mourir à... 3, c'est rien du tout, hein, 3 de stress, putain. Il va mourir d'une crise cardiaque, c'est pas bon. Personne, même pas un enfant, n'aurait raté ça. Oh, mon Dieu, ça clash. Toi, tu vas me soigner, par contre, le maître chien, merci. Voilà, il résiste, c'est une bonne chose. Mastication. Ce chrétien, il a voulu me faire du mal, je pense. Ah, mais mon Dieu, comme il clash! Par contre, les autres... le cran de Karl est testé, évidemment. Irrationnel, allez, c'est parti. Tout le monde est en stress total. Je crois que je vais devoir abandonner la quête. Hein. Lui, 191, encore 10 de stress et il est mort. Mastication. Regarde comme le vent joue avec nos sens. Lui, il est mort. Vais-je finir la quête? Vais-je finir la quête? Ah, infection. Est-ce que je peux faire quelque chose? Vas-y, tue-moi celui-là, là, allez, hop, mourez. Là, on va commencer. Lui, vite, décris l'incident que je puisse appréhender le coupable. Ok, toi, tu meurs. Toi, tu vas... Non, bah oui, tu vas pas mourir. Évidemment, ça serait pas marrant, sinon mon cœur va exploser. Toi, passe, non, te passe pas. Fais un coup critique, s'il te plaît, fais un coup critique. Non, il a pas fait de coup critique. Au moins, il est mort. Il me reste plus qu'un... Et tu meurs. Il est mort. Alléluia. Alléluia. Alors, pas assez de place. Donc on va faire de la place. On va faire de la place comme ça. On va jeter la torche. Voilà. On va prendre ça. 25 d'or. On va quand même les prendre parce que... Bon. On va jeter les biscuits pour chien. J'en ai pas utilisé, mais c'est pas très grave. Et toi, tu vas m'ouvrir le coffre. Voilà, tu vas mettre une clé, s'il te plaît. Comme ça, on a ça. On va jeter la clé. On va jeter ça. On s'en fout. Et on va terminer la quête. J'espère que ça va être rentable. Je ne pense pas. Hein. Ah, j'ai peur. Est-ce que je continue ou pas? Il y a deux combats. Deux combats, c'est mort. J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Non, non, on abandonne. On abandonne. Terminer la quête, c'est terminé. But c'est pas très grave. Hein. On aura fini une quête. Enfin, on aura terminé une quête sans la finir. Ah voilà, on a pris la fuite, on est des gros lâches. Hein. 2800, j'ai dépensé pas mal de thunes pour ça. Mais au moins, tout le monde a survécu.
Kiba est devenu Hiéroman. Ouais. Vision et illusion religieuse récurrente. Quasimodo, Thanatoman. Obsession pour l'assassinat. Quoi ? Calme-toi, Quasimodo. Quasimodo, il n'a pas eu Esmeralda et il s'énerve là, ça y est. Karl, il a été témoin de... Après avoir vu des comportements troublants, ne priera pas en ville. Ah, il a vu Kiba en train de masturber son petit chien, alors ça y est, il est choqué. Hein. Voilà. Et Kev Adam s'en sort bien, il a cogneur, 10% de dégâts et capacité au corps à corps. Le seul qui n'utilise pas de capacité au corps à corps, c'est génial. Voilà, si, il a la dalle, mais bon, la dague, pardon. Mais bon, voilà. Donc on a dépensé, ben on a perdu 3000 et quelques à peu près dans ce... dans cette quête, mais bon, tant pis, hein, tant pis, on va les mettre, voilà, taverne, on va te mettre, voilà, va boire un coup, toi, tu vas jouer, et Kev Adams, tu vas un peu baiser, voilà, très bien, et du coup, il restera plus que Karl qui va aller prier, voilà, c'est parfait, donc là, nous sommes pauvres. Enfin, merci. Je suis né pour ça. Oui, on sait, Triss, on sait. L'épouvantail, il s'est barré. Hein, on ne sait pas où il est. Il revient pas. Il veut pas venir. Très bien. Il a décidé de se barrer. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cet épisode. La prochaine fois, on s'attaquera à un petit boss. Bisous à tous. Bye bye.